Bien le bonjour, bon matin, bon après-midi, bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que ça va bien. On est vendredi, il est rendu 3h30, je vous mentirai pas. Mais j'ai toujours ce merveilleux réflexe de dire bon matin, fait que j'ai juste de terminer ma petite semaine de travail. J'avais une rencontre client ce matin qui s'est prolongée un petit peu plus longtemps que prévu, mais ça a été productif, fait que au moins c'est pour une bonne cause. Ouais, je viens de finir ma semaine officiellement, fait que là c'est le début des préparations pour le shower, fait que on a notre shower demain. Demain après-midi avec nos amis principalement puis notre famille immédiate, mettons là. Il y a quand même énormément de choses à faire pour tout ça. La préparation que je veux commencer aujourd'hui, Anto est déjà un petit peu là-dedans. Fait que je me suis dit que j'allais vous amener avec nous, genre dans le petit behind the scenes de tout ça, dans les dessous de la préparation de notre shower. Je vous mentirai pas, j'ai vraiment pas bien dormi. Je suis quand même vraiment stressée. Il y en a des fois, vous m'écrivez, vous me dites « Oh my god, t'es tellement courageuse de refaire ta cuisine. » Genre enceinte, puis pour vrai. Je vous dirais que ça, en soi, c'est pas si pire. Je pense que le shower me stresse plus que la cuisine, pour vous donner une idée. Fait que j'ai vraiment hâte, parce que ça va être une super belle journée. Il annonce vraiment beau, puis vu que c'est en été, tu sais jamais vraiment s'il va faire beau ou pas. Fait que c'était quand même un petit bémol là-dessus. Finalement, il annonce super beau, il annonce pas trop chaud, fait que ma robe va être parfaite pour la journée, la température. Fait que je suis vraiment contente. J'avais juste vraiment peur que comme avec des manches un petit peu plus longues d'avoir super chaud. Si mettons il annonçait genre 30 degrés. Mais c'est pas le cas. Fait que bref, ouais. Là, je me dirige à la maison. J'étais allée nous chercher Anto et moi. Nos petits drinks du moment. Givré aux fraises du Tim Hortons. Si jamais vous avez pas goûté à ça, c'est super bon. Ça goûte un petit peu genre le smoothie milkshake aux fraises. Mais nous, on le prend sans garniture parce que c'est quand même un petit peu sucré à la base. Fait que c'est en plus ce genre de la crème fouettée qui t'ajoute des calories inutiles. Pas qu'on regarde nos calories, mais quand même, tu sais, c'est de faire des choix. Des petits choix par-ci par-là. Fait que, ouais, je vais faire une petite surprise en toi avec ça. Je suis pas mal sûre qu'il va être bien content. Puis là, je me dirige à la maison. J'ai hâte de me changer. J'ai tellement chaud. Je suis partie à la maison ce matin. Il faisait comme quand même un peu plus frais. Fait que je m'étais mis une veste en jeans avec une robe quand même assez longue et tout. Là, je crève de chaud. Fait que j'ai vraiment hâte de me changer. Fait que la première chose que je vais faire, c'est des petits muffins. Dans le fond, on a acheté un mélange à gâteau pacane au beurre. Je voulais initialement les acheter déjà faites, mais ça m'a complètement sorti de la tête. Fait que on va les faire avec un mélange à gâteau. Fait que je vais sortir les ingrédients que ça prend. Fait que 3 œufs, de l'huile végétale, puis du lait. Je pense que ça va être meilleur avec du lait que de l'eau. Fait qu'on va commencer avec ça. Puis on a pris aussi du crémage vanille française pour aller avec ça, avec de l'espèce de petit colorant genre bleu là, qui va aller un petit peu avec notre thème de couleur du shower. Puis des espèces de douilles comme ça, je sais pas comment. Douilles, fleurs, pas plus, en tout cas. Bref, ça ici pour faire un espèce de petit motif. Je sais pas ça va ressembler à quoi parce que j'ai jamais fait ça, mais on va espérer que ça va bien aller. Tellement bon. La deuxième petite batch. Je vais mettre ça pour 12 minutes. On a déjà fait justement une petite batch. Fait que pour vrai, Anto nous en a fait un chacun. Puis c'est vraiment bon. Je pense que je vais savoir vraiment plus en donner. C'était censé en donner 24 petits. Puis définitivement, ça va en donner genre le double. Fait qu'on va en avoir vraiment beaucoup. Mais du moins, on n'en manquera pas. Fait qu'il vaut mieux en avoir plus que pas assez. C'est ça que je me dis dans ce genre de situation-là. On est en train de rassembler un petit peu genre tout ce qu'on va avoir besoin pour le shower. Fait que dans le dernier vlog, on est allé acheter justement la nourriture et tout. Principalement, la majorité, je dirais, dans le frigo. Là, fait qu'on va le sortir soit probablement plus demain matin quand on va tout amener le stock. Mais tu sais, les affaires température pièce, là, genre les chips, ces trucs-là, on les a déjà sortis. Chocolatine, petits biscuits, ce genre de trucs-là. Là-dedans, c'est un petit sac avec de la déco, puis genre des napkins, puis différentes choses qu'on a achetées au Dollarama pour justement
le shower avec petite pompe à la pompe qu'on a acheté tantôt. Et puis j'ai sorti aussi dans le fond tous les trucs pour genre ça, on va prendre la sangria, on va mettre des petits, soit des sandwichs ou quelque chose comme ça là-dedans. J'avais acheté ces chandelles là au IKEA pour faire de la petite déco sur la table. Fait que tu sais, on y va vraiment avec le style, je dirais notre style à nous autres là. Fait que tu sais, blanc, bois, j'ai sorti des petites plantes aussi qu'on a, qu'en ce moment on sert pas parce qu'on a pas de déco nulle part. Fait que je me dis pourquoi pas les amener puis s'en servir. Fait qu'on est en train de rassembler ça tranquillement, pas vite. Bon, fait que je pense qu'après 4 batchs, on devrait en avoir assez, ça en donne vraiment plus que ce que je pensais. Mais, c'est ça, comme je disais, j'aime bien mieux en avoir plus que pas assez. Fait que demain, on va s'occuper du icing. Là, on va les laisser refroidir, mettre un genre de papier saran wrap dessus pour cette nuit. Puis demain, ajouter le petit crémage. Fait que je suis vraiment contente, par exemple. C'est vraiment bon. La sorte qu'on a choisie, là, délicieux. On est en mode gonflage de plein de ballons. Donc on va faire des petits des espèces de petits motons comme ça. Tais-toi, t'es soufflé. Puis il nous reste encore tout ça à faire. Mais ça va bien. On a amené pas mal tout le stock chez ma belle-mère pour demain, vu que c'est ici qu'on fait le shower. Toutes les petites décos, petites affaires. Demain, il va juste nous rester dans le fond la nourriture à apporter. Puis, ouais, moi, je suis sur mission de pompage de ballon. Chez nous, parce que je serai juste plus là, il va faire. Bon, matin de notre cuisine spacieuse. Hier, comme vous avez vu, on est allé chez ma belle-mère. On a commencé à préparer ça avec une de mes amies, ma belle-mère, Pianto. Fait que ça a super bien avancé. On a comme gonflé tous les ballons. On a fait les bouquets, fait qu'il va juste nous rester à les placer ce matin puis à placer toutes les autres décos. Là, ce matin, Anto s'apprêtait à faire le petit icing sur les gâteaux. Notre thème de couleur, c'était vraiment comme un petit peu comme sa chambre, dans le fond. Un genre de vert bleuté avec justement comme beaucoup de bois, beaucoup de blanc, comme vous avez vu. Fait qu'on essaie de prendre un colorant à crémage dans ces teintes-là. Il est pas trop liquide. Ok, c'est plus... C'est plus thick. Ça? Ouais. Je pense que ça va être plus que ça. Fait que. T'as-tu lu les instructions? Non. Ok. Il y en a pas. Fait que parfait. On y va à l'œil. C'est quand même pimenté, hein? Mm-hmm. Ah, c'est cute. Ça pourrait être juste ça. Ouais, ouais. C'est parfait, ça? Ouais, j'aime bien ça. Guidou, merci. Fait que, ouais, on a acheté des deux, là, justement, pour mettre ça sur les petits gâteaux. Mon risque de les mettre juste plus tard. Parce que d'ici là, j'ai peur que ça tienne pas le coup. Même si c'est encore pas mal tôt, puis que l'événement est pas avant une couple d'heures, je vais quand même commencer à me préparer tout de suite, juste pour essayer de prendre d'avance. Parce qu'on a quand même beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Fait que... Je suis quand même contente pour vrai parce que la partie de ballon qu'on a faite hier me stressait quand même pas mal parce que ben il y en avait 125 là. Fait que c'est pas juste 10 à faire. Et puis ça s'est super bien fait. Les bouquets donnent vraiment de quoi de sharp. On a déterminé aussi partout où est-ce qu'on allait les mettre. Fait qu'on a fait comme un scanning de la cour de ma belle-mère. Puis elle a full arrangé ce cute. Elle a plein de beaux plans de j'ai juste plein de tomates dans la tête. Elle a plein de beaux plants de fleurs, plein de pots de fleurs, vraiment cute. Fait que c'est vraiment mignon. Ça va être parfait. C'est une journée où il annonce pas trop chaud non plus. Fait que je sais pas à quel point je vais filmer, t'sais, vraiment vlogger, mais c'est sûr, je vais vous mettre des clips. C'est de la journée, là, c'est sûr et certain. Mais sinon, je pense que je voulais faire une espèce de petit reel sur Instagram. Fait que je pense que ça pourrait être quand même cool aussi. Bref, on va voir. T'sais, j'ai quand même envie d'en profiter puis de pas juste penser à filmer. Mais on va voir le contenu avec lequel je suis capable d'arriver. J'ai décidé que j'allais friser mes cheveux. C'est le même que j'aime le plus. Mes cheveux, puis j'ai pour mon dire que dans ces genres d'événements-là, c'est pas là où tu te mets à expérimenter. Tu y vas vraiment juste avec ce que tu te sens le mieux. Et, oui. Alors, ouais.
C'est ici notre... C'est ici notre... La vaisselle. Peux-tu pas la partir après ou... Partir quoi? L'eau. Tu peux la partir. L'eau, oui. Oh. Nos petites affaires, fait qu'on a fait un sac avec genre chargeur portatif, petit speaker comme ça. Idéalement, on aurait quelque chose qui sonne plus là, mais on a comme juste celui-là que j'avais acheté pour comme cadeau en tout là pour la douche, fait qu'il est waterproof. C'est quand même cool, fait qu'au moins on va pouvoir avoir une petite ambiance dans la cour. J'ai amené justement mon make-up, mes sandales, puis quand même une coupe d'affaires. On a nos petits outfits qui sont prêts juste ici, fait que ma robe ressemble à ça. Je la trouve vraiment, vraiment belle. Mais vu qu'elle est à manches longues, j'espérais vraiment qu'il fasse pas trop chaud aujourd'hui, fait que je suis vraiment, vraiment contente. Fait que j'ai commencé mon make-up, j'ai vraiment juste comme fait ma base, puis amené genre le reste. Fait que je vais faire mon highlight, puis ce genre de choses-là un petit peu plus tard. Mais je garde ça quand même super naturel, comme je disais, c'est pas le genre de journée que j'ai envie de... faire une expérience avec mon maquillage, avec mes cheveux, avec mes affaires. Je vais vraiment juste faire ce qui fonctionne pour moi sur une base régulière. Fait qu'on est officiellement aussi à 29 semaines aujourd'hui. Petite bérenne de 29 semaines. Ça va être vraiment une belle journée. Mes cheveux ressemblent à ça. Maintenant, j'ai mis un outfit juste vraiment confort pour terminer la préparation de la journée. On s'en vient un petit peu à la course. c'est pour ça que je suis comme go, go, go. Puis c'est ça, je vais amener mon outfit, puis je vais me changer directement chez ma belle-mère. Fait que la journée va se passer chez ma belle-mère. Elle a une super belle cour, comme je disais. Elle a une piscine, il fait pas super chaud, fait que je sais pas à quel point moi je vais me baigner, mais si jamais il y en a qui veulent se baigner au moins, ça va être ça de plus. Fait qu'on a notre stock en tissu, hein. Mais une chance qu'on a fait un voyage hier, parce qu'on aurait vraiment... vraiment manqué de place. Oh, je vais mettre dans le même espace. Tout notre linge, du cupcake, la table, nos outfits. Toi, il manque tes souliers. Bon, fait qu'on a fait un petit run Starbucks pour moi puis mon ami, puis Tim pour Anto et sa mère. Fait que il y a du monde à la messe. Ouais, fait que là, on s'est rendu compte qu'on avait oublié quelque chose à la maison. On retourne à la maison avant d'aller chez ta mère. Ça ne laissera pas tant de temps que ça. Fait qu'on a tous nos ballons à placer ici. Ils sont tous en petits bouquets. Puis tout notre stock qui est un peu partout, qu'on commence à placer tranquillement, pas vite. Ça va être parfait, ça, pour la glace. C'est pas mieux la mettre plus là-bas, puis faire le protéger? Non, non, non. Je vais aller chercher. Oh mon Dieu. Je vais aller chercher. 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 Je vais
redescends, là. Ah ouais? Ok. Oh là là. Petite corde de linge. De onesie. Fait que nous autres, on est sur la préparation. Dernier petit préparatif de nourriture. Anto fait des petits roulés, jambon, laitue, fromage et mayonnaise. Puis je suis en train de placer la table avec les petites pâtisseries. Et légumes, ça, on va mettre ça un petit peu partout. Puis, mais qu'on sorte dans les sandwichs et tout, ça va être parfait. Je vais faire la petite sangria. Un petit peu tôt, là, mais je me dis au moins ça va être fait. Yeah. Et que j'ai acheté du vin cheap pour de la sangria. On avait juste une bouteille de désalcoolisé. Ouais, j'en ai acheté une désalcoolisée. Puis deux alcoolisés. Ouais. Ok. Fait que. Parce que après, sinon, je me sens que ça agite partout. On va La nourriture principale va rester en dedans, mais les chips pour grignoter. Je me tâche. Pour qu'il y ait un sangria avec alcool. Puis, on va se prendre sangria sans alcool aussi, parce qu'on est quand même deux en cinq, puis trois qui boivent pas. Avec Saint-Régis, ça c'est genre un vin. On va-tu quelque chose? C'est un vin, tu trouves au DEP. Pas au DEP, à l'épicerie. Quand même cheap, mais il est vraiment pas si mauvais que ça. Pas si mauvais que ça. Hein? Fait que c'est pas comme du vrai, mais c'est mieux. C'est moins pire. Merci. San Pellegrino aussi qui est. T'as-tu déjà goûté à ça? Quoi? Ouais. Les nouveaux San Pellegrino, citron framboise. Non, pas celui-là. Moi, j'ai goûté au. Attends, c'est peut-être celui-là. Oui. Celui-là, il est ouais. Solide. L'autre, la saveur, elle me parlait. Attends? Elle me parlait. Oh. Mais je te le tiens encore. Très bon. Tu mets ça sur la coquille, puis ça vibre là. Puis... Okay. Parce que dans le fond, on voulait pas qu'il y ait ça.
Il a rodé son nom, mais ça donnait ça. Là. On va se conduire pendant qu'on veut. C'est la même de vous. On a le certificat cadeau, il reste juste à aller le faire voler. On peut y aller pour vous là, si vous voulez qu'on vienne la chercher. Je l'avais vu. Oui, c'est ça, parce que c'est pas lui qui t'a lâché. Quand on l'a vu, c'est vraiment... Fait que, comme vous avez peut-être vu dans une des affiches de l'événement, on savait pas quand est-ce qu'on allait genre partager le nom, parce qu'au début, on était comme, on va garder ça plus pour nous. Ça nous faisait notre petit secret, mais genre kind of, on partage quand même vraiment beaucoup, je pense, des hauts, des bas de la grossesse et tout, puis par rapport à ça, bon, on voulait garder le nom pour nous un bout, mais je pense que on est rendu assez avancé, dans 2 mois, un peu moins, on est officiellement à 29 semaines depuis hier, fait que ça avance vraiment vite, fait que ouais, le nom de notre petit coco, ça va être... Théo. Ouais, fait que pas Théodore, vraiment juste Théo. Ouais, on voulait un nom qui était quand même assez court. On voulait quand même quelque chose qui était plus... comment je dirais ça? Je sais pas, plus court. On aimait vraiment les noms courts, tous les noms, toute la liste de noms qu'on avait, c'était juste des noms courts. Ouais. Fait que, j'aime vraiment ça. Ouais. Puis on avait beaucoup de noms de filles, on avait pas beaucoup de noms de gars. Ça. Fait que, on dirait que quand on a trouvé ça, les deux, on était comme, ok, bon, parfait. C'est celle-là qu'on accroche puis qu'on aime, fait que ouais, notre petit Théo avec un H et accent aigu. Oh. Fait qu'on est bien contents, bien excités. Ouais. Fait que je pense que moi, j'ai terminé le vlog là-dessus, ça va être pas mal ce qui va compléter justement ce vlog de shower. Fait que j'espère que vous avez apprécié de venir avec nous, voir les petits behind the scenes, puis voir toute la préparation du shower. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit là, par rapport au shower, vous pouvez les mettre en bas dans les commentaires, ça va nous faire plaisir de répondre à ça. Fait que là-dessus, je vous remercie d'avoir écouté. Bonsoir. Très bientôt. Bye tout le monde.